Départ imminent. Du 1300 mètres. Cette fois, on accélère. Et ça part. C'est parti avec le 6 rapidement. C'est Mister Fee, bien parti aussi, le 7 en or, Cadette Slipper. 6 et 7 qui tentent de se détacher, qui se détachent d'ailleurs désormais du numéro 4 à la corde, Limoncello, avec également bien placé, bien Lotus, le numéro 10 qui vient un peu plus loin. Alors que la favorite a été reprise, hein, elle qui partait à l'extérieur de la voiture, numéro 8, Mrs. Boss, elle vient en 5e position. Petit relais, petite bagarre pour le moment en tête de course avec Mister Fee qui garde le commandement. Cadette Slipper met la pression pour venir prendre le commandement. Celui-ci, on va très vite à la sortie du premier virage. Cadette Slipper prend le commandement devant Mister Fee. On a pris quelques longueurs d'avance, notamment sur sur le 4 Limoncello. On est au galop avec le 5 Katy HS. On tente de mener la chasse avec notamment Miss du Château à l'extérieur et au centre de la piste Lotus EV. Effectivement, le 5 a été disqualifié avec le 7 tête et corde. C'est Cadette Slipper, Mister Fee, le 6 qui poursuit son attaque. Et puis derrière, eh bien, le 8 se rapproche doucement hein, au centre. Mrs. Boss avec également le numéro 4 côté corde, c'est Limoncello. Et le 10 tout en dehors, Lotus EV. Un nouveau relais en tête de course avec Mister Fee qui a repris le commandement à Cadette Slipper. Lotus EV se montre fautif. On va très doucement devant les tribunes avec toujours Mister Fee au commandement, Cadette Slipper, Mrs. Boss qui accélère suite à cette reprise d'allure qui va venir prendre le commandement, la favorite sollicitée par Gilles Van de Pitt Jr. qui prend le commandement. Miss du Château se retrouve nez au vent, Limoncello accélère et sollicité également. Et on attend avec l'As ouais. Prestander CM qui a beaucoup de ressources pour le moment. Il me semble aussi. Très très bien pour l'As à l'arrière pour le moment. Il va attaquer, voilà, qui se prépare avec en tête toujours Mrs. Boss, le numéro 8 devant le 6, Mister Fee. Le 7, Cadette Slipper, et voici Last Pretender qui vient mettre très facilement, suivi du 2 encore, et puis plus loin il y a le 4 et l'Overboy Zen, le 9 qui ferme la marche. Il reste 700 mètres à parcourir pour la favorite qui est installée au commandement, Mrs. Boss, rejoint par Last Pretender CM avec d'évidentes ressources. Attention, on quitte la piste avec les animateurs dans leur sillage. C'est toujours Mister Fee à la corde avec Miss du Château également, l'Overboy Zen qui est débouché et Limoncello qui tente de suivre. Avec le 8, Mrs. Boss qui va toujours bien, mais l'As va très très bien, je trouve, l'As Pretender à l'extérieur. L'As, le 8 devant le 2, et puis il y a encore côté corde Limoncello, hein, c'est le numéro 4. Derrière, il y a Cadette Slipper, le 7, et le 9 qui tente un effort en dehors. La favorite qui est très sollicitée, on a déjà retiré les bouchons, abaissé les yeux également. L'As Pretender CM qui prend l'avantage au centre de la piste, Miss du Château qui s'annonce à l'extérieur, l'Overball Zen, Mister Fee qui n'a pas l'ouverture pour le moment. Oh, oh, Miss. Last Pretender fautif, Mrs. Boss qui repart, Miss du Château qui prend l'avantage au centre de la piste. C'est Miss du Château qui va s'imposer finalement sur le poteau devant la favorite et l'animatrice Mrs. Boss. Mister Fee, 3e place, 4e place pour le 9, l'Overboy Zen, peut-être 5e le 7, Cadette Slipper. Voilà, on regrettera bien sûr hein, la faute de Last Pretender.